Donc c'est bien d'être exigeante et de se dire je veux le meilleur pour moi, je veux faire de mon mieux, je veux aller haut, d'accord? Mais c'est important aussi de pouvoir avoir de l'indulgence, de pouvoir avoir de la patience, de pouvoir se pardonner quand on rate, quand on fait des erreurs, quand on est découragé, quand on n'a pas suffisamment d'énergie. C'est important parce que si vous ne vous pardonnez pas, si vous n'êtes pas bienveillante, si vous n'êtes pas indulgente, ça veut dire que vous allez être intransigeante. Et c'est ça la différence. Quand vous êtes intransigeante, vous ne vous pardonnez rien. Aucune erreur, aucune tristesse, aucune faille, aucune faiblesse, aucune émotion. C'est-à-dire que quand tu dégringoles que ça va pas là, toi-même, tu non, niette. C'est ça être intransigeante avec soi-même. Alors que quand on est exigeante, on veut le meilleur pour soi, on fait de notre mieux, on fait les choses bien. Mais quand ça ne marche pas, ou quand on est fatigué, quand on a un petit coup de mou, quand on traverse une zone de turbulence, on s'aime suffisamment, on a suffisamment d'indulgence et de bienveillance envers soi-même pour s'arrêter, analyser la situation et faire en sorte que les choses se passent le mieux possible pour nous. Ça, c'est être exigeante. Je veux le top, mais si je suis en bas, je peux gérer. Intransigeante, je veux le top, et si je suis en bas, et je n'accepte pas. Je refuse de descendre. Et quand tu es intransigeante, souvent, tu n'écoutes pas tes émotions. Tu n'écoutes pas la petite voix qui te dit attention, prends soin de toi un petit peu mieux, parce qu'au finish, at the end of the day, c'est pour ça qu'on est ici, c'est pour prendre soin de soi. Voilà, donc soyez exigeante avec vous-même, mais pas intransigeante. Sur ce, mes FIFA, je vous souhaite une très très belle journée et je vous invite à me retrouver dans le groupe Coach Juliette Laboratoire et dans le groupe Ronde Belle et en Bonne Santé pour toutes celles qui viennent de la part des FIFA. Il y aura 50% de réduction sur les coachings en privé. Les coachings en groupe sont gratuits, mais les coachings en privé, vous aurez 50% de réduction. Voilà, je vous embrasse très fort et que Dieu vous garde. Je vous souhaite une belle journée.